Brewster et Nolan. D'accord. Allez, c'est le moment d'aller faire votre petit numéro. Allez, par ici, grouillez-vous. Laisse-moi faire, je vais régler ça en 5 minutes. Je connais toutes les ficelles. Nous faut pas de souris, s'il te plaît. Merci mille fois. Monsieur Brewster et Monsieur Nolan, vous êtes accusés de violence, coups et blessures, de refus d'obtempérer et de destruction systématique de biens privés. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Non coupable, mais avec une excuse géniale qui va vous faire mourir de rire. Vous et les autres. Je plaide innocent. Faut vous dire, votre honneur, qu'on n'est pas n'importe qui. Montgomery Brewster et Spike Nolan, autrement dit moi-même, on est des sortes de héros du sport, les superstars de la grande équipe de baseball, les Hackensack Bulls. Les Bulls. Entendre ça. Allez, les Bulls, allez. Oui. Le temps de ce tribunal est compté, ne le perdons pas. J'ai ici devant moi les dépositions de plus d'une douzaine de témoins oculaires. Votre honneur, lui et moi, on est allés boire un verre dans un bar et on a aperçu une très jolie fille. Et voilà, on l'a invitée, on lui a dit de boire un verre avec nous. Je ne savais pas qu'elle était fiancée. Tu le savais, toi? Je ne savais rien. Je ne savais pas non plus. C'était pas visible à l'œil nu. Il est clair que vous faisiez des avances douteuses à une femme intimement liée à un autre individu de sexe masculin. Vous savez, dans la vie, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, votre honneur. Ce personnage ne me représente pas, votre honneur. Je demande qu'on supprime cette remarque du procès verbal. Je vais fixer votre caution, messieurs, à la somme de 3 000 $. C'est pas possible. Mais on n'a pas 3 000 $, votre honneur. C'est vrai. Huissier, veuillez emmener les prisonniers. Affaire suivante. Oui, votre honneur, attendez, s'il vous plaît, avant de nous renvoyer en prison. Je vais essayer de me défendre moi-même. Cette bagarre, vous savez, c'est pas moi qui... Avec la permission de la cour, je m'appelle J.B. Donaldo. Je suis ici en tant que représentant de tierces personnes qui, pour l'instant, veulent rester anonymes. Ces personnes m'ont confié le soin de payer la caution fixée pour les prévenus et de payer toute amende éventuelle, à condition qu'ils plaident coupables, ce qu'ils feront sûrement désormais. C'est ce gars. C'est le recruteur. Ah oui. Oh, je te l'avais bien dit. Ils veulent m'engager. C'est moi qu'ils veulent. C'est fini maintenant, les petits clubs.